suis loin là. Ouais, il faudra que je retourne sur la galaxie. Que j'aille voir sur Autogen. Ou peut-être sur Wolfensen. Ce sera plus proche, ouais. Wolfensen. Qu'est-ce qu'il y a comme données sur Wolfensen? Là, voilà. Wolfensen, détention, centre de détention. D'accord. Carte planétaire et fondation sans extension. Oui. Donc non, on va pas. Je comprends pourquoi. Ouais, ça sent détention que je suis passé. Merde. On va y arriver. Centre de détention. Donc ok, je comprends pourquoi il voulait pas y aller. Là il n'y a rien. Wolfenstein, ça sent de détention. Et Autogen. Ok. Autogen. Autogen, alors Autogen, qu'est-ce que c'est quoi Autogen? C'est quoi déjà? Adric. Adric Station. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Adric Station? Adric Station, Adric Station. Paf. Appliqué, voilà. Des cartouches alimentaires, pas grand chose. Des médicaments simples, parce que je me ferai un bon bénéf. Équipement ménager aussi, mais je ferai pas grand chose. Là, je me fais un bon plus-value. Hein. Cartouches alimentaires. Voilà. Et maintenant avancer, il y a quelque chose. Oui, ok, d'accord. Ça va confirmer. Intégrité 10%, voilà. 100%. Retour. Ça c'est à cause du sillage. Le plein, il est fait. J'ai pris. Parce qu'il n'y a pas de mission. Donc j'ai pris de quoi faire. Une petite rente pour dire que j'ai pas dépensé de l'essence pour rien. Et je repars. Derrière. Ah. Et un siège SFD. Un départ SFD, donc ça c'est pas mal, ça pourrait me faire. Hein. Ah, il a pas compris. Là, il a absolument rien compris. Autogen. Tu veux aller là, paf, Adric, ouais, voilà, quitter. Et c'est parti. Signing off. 4, 3, 2, 1.
en cours. Bien le bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Un petit follow, ce serait bien plaisir. Si vous voulez. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Alors, moi c'est complètement derrière. Voilà. Et voilà. C'est là où je me dirige, sur Adlux Station. Il n'y a pas de joueurs, il n'y a que des PNJ, donc c'est bien. On est toujours sur le set Winders. On va demander l'appentage. Non, j'ai pas demandé ça moi, qu'est-ce que tu me fais? Plateforme 42, elle est là-haut. On ralentit, on se met tranquille. Oula, on se met tranquille, gentiment. On va sortir les trains d'atterrissage.
Et on peut accélérer tranquillement. Donc sur le dernier monde qu'on a vu, il n'y avait pas de mission. C'est trop petit, trop coté pour être vendu, etc. Mais voilà comment on se fait pour augmenter son élite exploration en revendant des osés. Donc j'avais pas de mission, on va aller au marché, on va vendre 4 cartouches alimentaires, paf, vendu, voilà, bénéfice. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, paf, on va aller dans les missions. Jimmy Prospect. Retour, d'accord, ok. 6 unités. Transporteur, on va mater. On peut aller à Dromi, puis après la mater, hein. Jimmy Prospect. On va accepter. On va accepter. Voilà. Maintenant, c'est celui-là. Paf. Alors, le dromi, il est là. D'accord. La petite dromi, il est là. On a toujours. Alors, un dromi, on doit aller. Ici. Dimeris Prospect. Ok, voilà, ça c'est fait. Et après on ira à Maté. C'est juste après. C'est ça qui est cool. Donc voyons voir maintenant si je peux me faire prendre avec le marché. Comparer Dimeris Prospect. Voilà, appliquer. Grand-chose. 760, 690 pour 305, tissu conducteur. Ça vaut le même prix. En dessus, ils en prennent 4, ça me fait 5 000 de bénéfices dessus. Ouais. Saute au maximum de sa capacité. Allez, on va sur Dimery. Prospect. Le plan itinéraire, il est fait. Landing restraint lifted. Maintain correct lane on exit.
message rentré. Là, faut que j'aille là-haut. C'est bien. Je suis encore trop proche. Que je vais me mettre en navigation. 4, 3, 2, 1, activation. Et après, tu vas aller fumer? J'arrive. Je vais me mettre en hyperespace. Hein? Ça va. T'es mort, toi. Donc on a dormi, on a maté. Surveillez. On va ralentir. Va se passer. Et après on va faire une petite ellipse, je vais fumer une cigarette et je reviens. On arrête tout et on attend. Et je reviens.
Et salut, salut, salut Steph Game, salut à ceux que j'ai pas vu, j'étais parti fumer une cigarette, j'en suis désolé. Là j'arrivais sur 10 000 prospects pour rendre une quête, donc on va demander l'appontage. S'il veut. Et bah, je suis allé à l'envers. C'est génial ça. Sinon, comment ça va vous? C'est bien qu'il y a du monde. Vous pouvez parler hein, sur le chat, etc. Moi, j'aime bien avoir une conversation avec des joueurs ou simplement des personnes qui découvrent Elite Dangerous. Oh, on y va tranquillou. Donc je m'amuse, je suis toujours en zone neutre. On va sortir les trains d'atterrissage qui va nous faire baisser énormément. Voilà. Neutre. Ah bah, on était presque. En arrière. Ah non, en avant. Voilà. Et on atterrit en douceur. D'accord. Je suis complètement bloqué dans le mauvais sens. Pourtant, je vais bien bouger le bouton, hein, mais. Donc, on tourne. Rien, ça arrive. Voilà, il est content, on est dans le bon sens. Terminé mission, 20 000, 160 000 crédits quasiment, c'est pas mal. Et on continue d'augmenter en cordial. Là, on est en plus mendiant à 46%. Ça va, c'est pas mal, c'est intéressant. Ouais, plus ça augmente, plus c'est long. Est-ce qu'il veut accepter, tiens, que je lui rende. Ah, là, il n'y a pas. D'accord. Faire le plein, parce que là, ouais, il y en a plein. Voilà. Tableau des missions. Qu'est-ce qu'il a comme mission qui pourrait nous proposer? Sortir ce jour. 6 unités. 2 unités. Surdormi. 2 unités extrayées. Rapporter 5 unités. 2 unités de marchandises à ma tête. Ah, bah, c'est bien ça. On va y aller à ma tête. Travail transporteur disponible. Et voir c'est où coller au station, on prend parce qu'on va y aller à Maté et on va livrer ça aussi. Coller au station, c'est bon. Deux missions, nickel. Donc là, on va voilà. Retour, voilà. Ok. Retour. Donc, marché. On va voir à coller au station.
call et off station. Bingo. Appliqué. Il nous reste deux emplacements, donc autant. Ouais, ma gueule. Saute au maximum de sa capacité. Ben voilà. C'est bien ça. Retour. Quitter. Service. Le plus simple, ce serait de faire ça, ouais. Ça, c'est la vue. Ok. Non. Récupérateur cargaison. Mais c'est là. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est celui-là. Oh, ouais, la carte de la galaxie. Là, il y a plein de choses, vous voyez, plein de données, voilà. Donc, on va aller à mater. Sur la carte de la galaxie. Collect Station. Ok. Quitter. Et ben voilà, on est prêt pour décoller. Et on décolle. Salut, salut à Enobo. Voilà, on rentre. On rentre les trains de service. 7 derrière. Donc, on va faire. Une petite accélération pour s'écarter. Même se mettre à l'envers. Voilà, maté. Il est là. Et voilà, c'est parti. Donc, je suis pas du style pirate, moi, à faire des missions de combat ou autre. Combat, ça viendra, parce que pour devenir élite, faudra. Alors, eh ben c'est juste derrière de cette étoile. C'est derrière moi. Voilà. Et voilà, collection station. On avance, on se positionne. On remet droit. Donc on rentre deux missions, plus ce marché, on va faire pas mal de pognon. Là je fais que du commerce, hein. Normalement on peut faire du minage, etc. Le minage je le ferai un peu plus tard. Je vais commencer par faire un... Le but c'est de faire un peu plus de pognon. Ça baisse tranquillou. Donc tous les sillages que vous voyez, les vaisseaux blancs, ce sont des vaisseaux. PNG. Et on arrive devant Coléo Station.
On accélère. Je dois aller là-bas en 21. Le 21. Non, attends. Et là. Eh ben, allez, on gars. Ben, ça vous apprendra, parce que je croyais que j'avais mis mon sillage et j'ai pas mis. Donc en réalité, j'ai protocole actionné une amende impayée. Donc voilà, on va payer l'amende. Contact, ça c'est dans les contacts. Autorité. Toutes les amendes qui ont été confirmées. Voilà. Retour, là on a accès à tout. En plus, on a un chantier naval. Comme d'hab, on fait le plein. Le marché. Vendre. Biodéchets. Pas les petites économies.
On revient en arrière. Paf, le tableau d'émission. Terminé. Voilà, puis voilà, on s'est fait pas mal de pognon. J'ai fait 100 000 en peu de temps. En plus, j'ai commencé à jouer cet après-midi. L'argent se vient très très vite. Ça vient très très vite. Donc on est à 200 000. Quoi, se faire un petit peu plaisir. Et de changer réellement de vaisseau. Adair, c'est bien parce que c'est un multi. Adair. Et j'ai pour s'adapter à toutes les situations. L'Adair dispose d'une soute spacieuse que les autres vaisseaux de sa catégorie. Sa portée de saut de plus de 30 années-lumière lui vaut les faveurs de nombreux explorateurs. Il est aussi capable de se distinguer très humblement en combat pour peu qu'il est équipé dans ce sens. Sur les riches marchands à avoir fait leur première arme au bord du hauler, ce qui coûte pas cher. Sur la dame, les deux tailles de sa soute lui ont permis de s'imposer comme le vaisseau de transport le plus utilisé de tout l'espace civilisé. Qui limite son utilisation aux seules activités commerciales constitue sans doute son seul. Donc ça c'est intéressant. Mais je vais partir. Alors normalement il y a un gros conseil qui est dit que. De partir sur 3 fois la somme du vaisseau au cas où. Si vous n'avez pas 3 fois la somme du vaisseau, 8, 16, 24, j'ai 3 fois la somme du vaisseau. Je vais partir sur le header. Option d'achat. Au bancaire. Ouais. Seront perdues, cette action est irréversible, confirmée. Oui, puisque ça m'intéresse plus. Donc on change de vaisseau, on va arriver. Là, il va nous mettre sur le header, sur le profil du header. Le design doit être assez solide. Alors, voyons voir le design. Une vue submersive un peu en hauteur, une vue plongeante. Par contre, oui, magnifique. Hein, il est réellement magnifique. J'aime bien ce vaisseau. Design assez joli. Voilà, c'était pour dire, voilà, puissance galactique, puisque vous avez terminé la période cette étape, aucun lien, comme ça, ok, d'accord. Modification d'option, nous avons le plaisir de vous informer que votre réputation pour la faction pilote fédération administration augmentée, que vous êtes maintenant populaire, accomplissez d'autres opérations à nos côtés pour continuer à améliorer votre réputation, section opération de la faction, tration, ok. Une récompense gratuite, le cercle des pilotes est ravi d'offrir un livret pour Sed Winder à tous les pilotes ayant obtenu leur permis. Ça c'est bien. Livré. C'est pour dire. Autorisation accordée.
Oui, pilote, vous avez accordé une autorisation des services de sortie pilote et vous avez maintenant accès à l'espace aérien dans ce système consacré à l'entraînement. Vous ne croiserez que des commandants d'un niveau d'expérience similaire au vôtre. Pendant votre expérience d'apprentissage, vous bénéficierez d'une importante réduction sur les primes d'assurance versées en cas d'instruction. Voilà, donc une fois sorti, ça explique bien comme quoi que, une fois sorti de cette bulle qui est là, des, comme je disais, des petites ailes. Là ça sera plein pot. Ça sera plein pot, on paiera plein pot. Donc ça c'est ça qui est royal. Donc on est à Maté. J'adore ce. On va faire ce vaisseau, c'est bien. Donc on va faire. C'est quoi la vue déjà? C'est. Non. Non, c'est celui-là alors. Ouais. Voilà. La gueule, hein. Ça, la gueule. Vaisseau, copilote. Je suis le commandant. Voilà. Tant qu'on y est, on prend quelques photos, hein. Pour montrer... Voilà, ok. Paf, paf. Ok. Service à spatioport. C'est bien. Maintenant, je veux l'équiper. Parce que... les points d'emport, armes du vaisseau. Vide, moyen de transport. Il a un laser. Ok, d'accord. Donc ça, on verra après, parce que moi, mon but, c'est pas... Ok, il a des lasers support utilitaire. Parcourir la boutique, lanceur de paillettes, survolteur de bouclier. Ouais, mais c'est pas tout de suite encore. Primordiaux. Réacteur FSD. Ah, on a déjà un 3D. Consomme un peu plus. Mais par contre, la portée est à 10-50 années-lumière. Ce qui est vachement bien. Option d'achat. Échange. Je n'ai pas besoin, donc on va augmenter notre portée, donc c'est vachement bien. Le système de survie, répéteur de puissance, et capteur de batterie, le réservoir. Donc le mieux c'est le D. Hein. Le D c'est le plus léger, le B c'est très très lourd. Le générateur, oui, pourquoi pas. En 3D. Cloison, on peut laisser en léger. Les propulseurs en D. Ça consomme un peu, mais... Portée de 11 sauts maximum. 11 années-lumière, c'est pas dégueu. Répartition, chance. Est-ce que ça fait quoi? En 46, ça fait monter en 70. Ouais, puisque ça fait baisser la masse. Donc on va le prendre. On continue. Le système de survie. J'étais sûr qu'il y aurait que ça. Du dé. Ok. Maintenant, les optionnels. Qu'est-ce qu'on veut faire? On a un compartiment en soute de 4. On a des compartiments de soute. Générateur de bouclier, parcourir. Bouclier. Ah non, il n'y a pas de dé. J'aurais bien voulu qu'il y ait un dé, mais il n'y a pas de dé. Ça m'aurait fait gagner énormément. Parce que là, ça va me faire réduire. Ça vaut pas le coup. Vaut mieux pas-t-il pas mettre autre chose et mettre un générateur de bouclier parce que ouais, il n'y a pas d'engard de véhicule là. Ouais. Approche planétaire, annihilateur d'appontage, avancée.
L'ordinateur d'appontage avancé, il me sert à rien, hein. Je peux le vendre. Hein. Parcourir la boutique, oui. Un récupérateur de carburant, ça pourrait toujours servir. Assistance de vol, compartiment. J'aurais bien voulu l'approche planétaire, ok. Donc, voyez, oui, ben non, je peux. Non, pas plein d'emport. Hangar de véhicule. Donc j'ai une soute de 4 déjà. Parcourir. Assistance de vol. Raffinerie, ça m'intéresse pas. Récupérateur de carburant, ça m'intéresse pas. Compartiment de soute. Ça ferait une capacité de 6. Ouais, par contre, je tombe à 9,78. Ouais, hein, plus on en met, mais plus échanger. Hein. J'ai pas encore vu avec les armes aussi en plus. Ça c'est chiant. Je vais le laisser à 4. Et je vais mettre plutôt un récupérateur de carburant. Ça peut toujours servir, même si c'est pas grand chose, ça coûte pas trop cher. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui? Non? Assistance de vol, compartiment de générateur, regarde véhicule. Non. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc on va faire comme ça. Donc j'ai un peu de soute, j'ai 4 de soute. J'ai mon générateur de bouclier. Ok. C'est ça le livret. Voilà. Le scarabée. Ça c'est bien. Module entreposé. D'emport, c'est ça que je voulais voir. J'en ai un de moyen pour la boutique. Outils miniers, rayon laser, laser rafale, laser d'impulsion. Thermique, thermique. Putain, j'ai que du thermique. Oh, c'est génial. Bah merde, rien. Ça suffira. J'ai un F. Et lui, il a quoi? Parcourir boutique. Laser impulsion. 1G, cadence de cire, charge sismique, 0,3%, moins 6%. Ouais, ça va. Ça change rien. Le G, c'est bien parce que c'est rotatif. Laser impulsion simple, un point rotatif doté d'un système de suivi de signature. Voilà. Que là, voilà.
Ça j'aime bien parce que c'est plus simple. Donc si mon vaisseau se fait détruire, mon compte d'assurance sera de 7028 crédits. C'est-à-dire que je devrais payer 7028 crédits pour récupérer mon vaisseau. C'est cool. Hein. Et ben un retour. Hein. Qu'est-ce que je fais quoi déjà? Non, pas chantier naval, mais... équipement. Pensez soit 10 années lumière. Là, ce que je suis pas allé encore, c'est. C'est là. La carte de la galaxie. Où est-ce que je suis pas allé encore? Donc là, j'ai été. Là, j'ai été. Ici, j'ai pas été, tu vois. Il y aura une qui là. Azote. 15 années lumière. D'accord. Orna, je suis pas allé, je crois. La fusion de base. Orna, est-ce que tu as... Voyons voir ce qu'il y a à me proposer en tableau de mission. Voilà, je suis toujours là. Nada Bozo. Joli nom. Surdromi. Donc ça sera en deux sauts. Ça peut être intéressant. Du thé et du thé. Ça m'a mis à 50 000 de gagner. Et là. Hadrix Station. Hadrix Station. Hadrix Station. Ouais, on va prendre tout ça. Accepter.
Ah, j'ai 6 en compartiment en soute. Pour ça. Donc je vais sur quoi déjà? Sur Adric Station. Marché. Comparatif. Parce qu'il me reste 2, donc autant profiter. Adric Station. Pour 111, tu vois, ça me rapporte 670. Ça va, c'est intéressant. Soute au maximum de sa capacité. Ah, nickel. Paf, paf. Alors, hop, otagine. Adric Station, paf, et voilà. C'est parti, on va décoller. J'ai pas mal de missions. Donc ça devrait bien aller. Donc j'ai changé de vaisseau, je suis sur un hauler. Avec une capacité de saut beaucoup plus grande. Alors normalement, c'est par là que... Voilà. Dans les moteurs. Chargement FSD en cours. Là, on a récupéré ça de carburant. On va pouvoir récupérer du carburant si c'est... Ouais, ça... Donc on se met n'importe comment, etc. Et comme vous pouvez voir. Voilà. Il faut se mettre après, voilà, il faut suivre la ligne, tranquillou. Deux sauts. D'habitude on en fait 3 ou 4 et là 2 sauts. Grâce à nos... 4, 3, 2, augmentation de FSD. Je trouve assez joli ce vaisseau. Après, le cockpit est pas... Mais je pense que je vais me prendre soin à un SD. Là, on y touche, je crois que dalle. Thank you.
D'accord, on est complètement derrière. D'accord. Donc on repart sur ce fameux rocher. Mais t'es malade toi. Faire intercepter, j'aurais pas l'air quand. Alors, il est derrière moi. C'est coup de boost. J'ai de la marchandise qui les intéresse, donc quand on a intercepté comme ça, c'est qu'il y a de la marchandise qui les intéresse. C'est marrant parce qu'ils ont traduit en 1-2 et pas en 12, tu vois, ça c'est assez drôle. Thank you.
douceur. Hein. Après, il faudra sortir pour se faire beaucoup plus d'amélioration et d'exploration. Est-ce que ça lui intéresse la cartographie de ce que j'ai? Non, c'est trop proche, ok. C'est là parce qu'on va se faire pas mal de pognon. Terminé. Voilà. Normalement, je crois qu'on a dépassé le stade de noble pour la réputation au point de la superstition. On est cordial, toujours cordial, mais. Dormi, dormi, maté. Je pourrais prendre les deux là, le lithium. Non, on va aller s'amuser, aller se poser sur quelque part et puis Johan Rudolf. Content de récupération. De la colonie. Ah. Surchargeur, ça fait loin. Hein. Chère, c'est là et nous on est là-bas. C'est à... Oh bon, en un coup on y serait. Ça peut être intéressant, ça changerait. Bon. Qu'est-ce que tu voulais faire, Fofoel? Cinq unités marchandises, poisson. Arna. Dromic, c'est intéressant parce que livraison, livraison. Dim à lui, ok. Et dim à lui, tu vois. Ça fait 5 unités pour 50 000. C'est là ce qu'on a été. Ouais, ça fait. Dromi. Plus 32. Ma connaissance, ça fait 5. 50 000. Après, on pourrait aller à l'IA Fiat, là. L'IA Fail. Je crois qu'on n'y a pas été à l'IA Fail. Naine rouge, M. Population 0. D'accord. Population 0. 0. 6000, 6000. C'est réellement Maté qui est le plus intéressant. Les objectifs qu'on y a, il n'y en a aucune. Et moi j'ai que ça. Là c'est Must.
C'est un 2, c'est pas un 3. Attends, on va voir s'il n'y a pas de 3, parce que ça c'est... Ah. 8 emplacements. Ça ferait 10 emplacements, ouais. Ah mais j'en ai un qui est encore vide. Parcourir la boutique. 600 de vol, compartiment de soute. Bon, on va remettre un compartiment de soute, hein. Ça va nous faire baisser à 9,34. Ah, j'ai horreur de ça. Quand ça fait baisser. Mais c'est déjà plus qu'on avait. 9,34. Donc on en a 12 maintenant. On peut prendre de quoi. Salle d'attente, il n'y a personne. Ok. Table d'admission. Ah, ça change. Ah, c'est marrant, ça change quand tu... Ah ouais, c'est drôle. Ah, dormir, il n'y en a plus qu'un. Ça, c'est ballot. Extrayer, apporter une médicament. Arna, maté, mais ça apporte pas grand chose. Il n'y a plus qu'un dormi. Ouais, c'est autogène parce qu'il y a énormément de choses. Ils ont apporté, donc il faut faire un achat et une revente. Charrure. Les équipes portent plus. Ces actions pourront être considérées comme illégales une fois votre situation atteinte. Ouais. Eh ben on va se promener, je crois. Faire un break, je vais fumer une clope et on va aller se promener sur une planète. Je sais pas encore laquelle. Là-dedans, pourquoi pas, tant qu'on est, sur place. Alors, Cora, qu'est-ce que tu as à m'apprendre sur toi? Tu as récupéré plein de du minéraux, du soufre, du carbone, du magnésium. Tant qu'on y est, on s'emmerdait à trouver une avec un peu d'arsenic ou quoi. Du cadmium, d'accord, et elle. Ça fait un peu loin quand même. Je sais pas ça, moi c'est... Putain, tu me sens. Zone arrière B3, au bas. T'as quoi? Du cadmium,
Ouais, c'est intéressant, toi. Voilà celle-là. Comme ça, ce sera fait. C'est savoir s'il n'y a pas un... On va arrêter de reprendre, mais il y a une spéciale, ça c'est ça. Finalement, il y a équipement. On va aller se promener et puis après on verra.
ça aurait peut-être changé les tableaux de mission. Sais jamais. Poisson, autogène, tu vas dormir, il n'y est plus. Il reste plus qu'autogène, autogène, autogène, autogène. Putain, autogène, ça en manque, hein. Rutile. Comme on avait dit, on va aller. Je crois que j'ai mis. Oui, il y a marque 3. Il est sorti. Normalement, j'ai dû mettre. Oui, je l'ai mis. Ok. Position, voilà, on va poser sur cette planète et sortir le VSR. Mais sont marrants, ils me donnent des. Alors, papa, c'est derrière. Ah ouais, putain, je suis en plein dans la mission astéroïde. Je vais oublier ça.
orbitale activée. Mmh.
pas, c'est pas ça que je veux. C'est... renvoyer vaisseau. Vaisseau renvoyé. Ah, mon vaisseau, je l'ai envoyé, ça m'a permis comme ça que il reste rien. Thank you.
Moteur de cargaison déployé. Je suis en mode adversaire et je débute pour le moment, donc je récupère tout, le fer, etc. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Là-bas, il y a un beau bordel. Ah. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme courrier? Ah, regarde ça. Boutiquier. Pas mal. Tourisme dans le domaine d'exploration. Ah, ça c'est bon ça. Avec brio, cette étape de votre carrière, le cercle des pilotes ne subventionne plus vos frais d'assurance. Ah, vous devez vous acquitter de ces frais d'assurance. Ah, pourtant, je suis encore. Non, je suis bien encore. Ah, je peux pas voir. D'accord. Ok, et là je peux l'avoir ou pas? Bonne question. Avec un la galaxie, là je peux l'avoir, mais. Pourtant, je suis encore dans les. C'est marrant. C'est marrant. C'est bizarre même. Ok. Salut tonton Greg. J'aime bien ton nom. Ça me rappelle à mon beau-frère. Comment ça va, tonton Greg? Et puis bonjour aux autres, hein, ceux qui me regardent. On fait un petit peu d'explo. Pour récolter le plus possible de minerais. Ça fait perdre du temps, ça fait en même temps maîtriser mon OTAS. On va pas passer avec celui-là. Hein. Ah, une belle flopée de minerais là-bas. Oh, ça va, tranquillou. Tout à fait tranquillou. Hein. Je
m'amuse. On récolte tout minerai là, on s'embête pas. Parce que ça va nous permettre, puisque comme je viens juste de débuter, de redébuter on va dire le jeu. Ah, ah ça c'est bon, ça y en a deux en plus. Deux minerais. Aïe merde j'ai mis. Là, ça m'a fait récupérer un peu de ça. Et on va récupérer le soufre. Ouais, ça qui est chiant c'est que pourquoi il veut pas, il n'y a pas un récupérateur automatique dessus, parce qu'il faut chaque fois que je l'ai. Non mais Elite Dangerous c'est vraiment un jeu de passion, c'est vraiment une passion, c'est pas des passions en récoltant des ressources, etc. Là je finis la session sur, sur ça, hein, sur le minage tranquille. Et par contre, demain après-midi, on partira de la zone de débutants. Pour ramasser plus de pognon. Parce que ici on peut pas sur beaucoup de pognon vraiment. Oh je rentre sur moi, 97 points, mais il y a 2% à cause d'un cueil du coup. Pourquoi en positionner les cueils partout. Alors on a un peu de tout. Il y a de la mine, mais il n'y a pas que ça. Et plus loin, il y a une source. Qu'est-ce que c'est ? Du soufre, on va le prendre.
ça c'est ce dérapage. J'ai le carbone. Merde. Oh, du chrome. J'ai trouvé un... Comment faire? Un siège SSD. Tu souffres. Et du carbone. Alors, bon, on va continuer dans cette position-là. Ça parle pas beaucoup sur le chat, hein. Putain. La bonne descente. Je vais pas me diriger par là, je vais me diriger par là. Voilà, et il y a deux traces. Et de deux. Et ben c'est marrant parce que putain, je regardais des vidéos YouTube. Là je trouve que je suis bien ignoré. Là il y en a plus. C'est bien calme. C'est quoi ça? Je crois qu'il y en aurait trois, ça aurait l'air de costaud. Thank you.
automatique quoi. C'était chaud, hein. Putain. L'intégrité à 19%. Je ferai pas le kéké encore une fois. Hein. On va rentrer pour réparer parce que là le VSR faut le réparer.
Donc bien pensé. Alors on va se barrer. Le B3. Train d'atterrissage rentré.